Nous voici donc dans le Poitou, dans le centre des Deux-Sèvres, pays de Gâtine, plus précisément à Pougne-Hérisson. Autoproclamé depuis 1990, le nombril du monde, excusez du peu. Le fondateur central de la mythologie pataphysique sikh de ce lieu est Yannick Jolin, un conteur poitouasant du Poitevin Saint-Ongeais, autrement appelé le Parlange, ancien patois localo-micro-régional. Je vous présenterai plus loin dans ce film un reportage très récent de FR3 Poitou-Charentes sur Yannick Jolin. En attendant, essayons modestement de percer quelques mystères du nombril du monde. La visite de la forteresse médiévale n'est pas possible car en très très mauvais état et en travaux partiels. Cacher ce saint dont on saurait boire. Oh pardon, ça m'a échappé. Un ensemble hétéroclite de machines à coudre singère avec divers ustensiles. Encore une machine à coudre. Un engin inconnu. Un moai échappé de l'île de Pâques.
Et encore cet objet emblématique de l'endroit. Comme on peut le voir ici. Galerie de portraits. h 33. Le jardin des histoires a ouvert. Benaiser, être benaise, être bien. Tiens, la carte des consommations. Une bière à 3,70 €. Tout de même. Alors. L'eau d'ici est excellente, potable est un euphémisme. Ouais, enfin moi je préfère le vin d'ici à l'eau de là. Petit rafraîchissement. Demain Christelle, elle sera là. Partons maintenant dans les Deux-Sèvres à la découverte du petit village de Pougne-Hérisson, autoproclamé nombril du monde. C'est le petit coin de paradis du conteur patoisan Yannick Jolin et c'est là-bas qu'il a donné rendez-vous à Dominique Lavaux et Alain Darégrand. Le jardin d'Éden de Yannick Jolin, celui du nombril du monde. Alors, pour mieux le découvrir à travers le regard du conteur, nous lui avons confié une petite caméra. Alors vous m'avez dû faire le siège de Pougne-Hérisson pendant la guerre de 100 ans. Et ils ont volé ce qu'on appelle l'imaginaire gâtinais, quoi. Et ils ont développé l'imaginaire anglais. Sans Pougne-Hérisson, il n'y aurait jamais eu Tolkien, Harry Potter, tu vois. Dans le jardin du nombril du monde, imaginé par Jolin et ses amis, chaque recoin raconte une histoire. On est le siège de l'Association mondiale des nombrils du monde. Et les nombrils du monde sont des nombrils du monde pour des raisons assez diverses. En général, on est un lieu de rassemblement d'une population, d'un peuple, dans un lieu qui relie le haut et le bas. C'est la dimension assez fortement spirituelle de Pougne-Hérisson. Stonehenge, alors ça, normalement, on devrait l'enlever parce qu'ils sont plus avec nous. On a un vrai hérisson qui est là. C'est incroyable de tomber sur... En plus, lui, il a l'air malade. Regarde donc.
Oh, Sao est un covidé. De la famille de covidés, Sao. Olé, olé, un hérisson covidé. Hop, vois-tu, la belle barrière. Pied du château. Il y en a des fantômes de festival, là, tu sais. Vous avez reçu votre onda familiale ? Oui, 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 c'est bon. Retour 30 ans en arrière. Le Vendéen Yannick Jolin tente un pari fou. Créer un festival de contes en pleine ruralité des Deux-Sèvres. Mais, il y a des choses à vous dire, venez donc ! Oui, oui. En parallèle, il remplit les théâtres de France avec ses spectacles patoisants. Vous croyez que le Basque et l'Occitan, ils ont envie de se promener le samedi soir au bras du Poitevin de Saint-Onget ? Surtout du Saint-Onget, toi, la Charentaise, t'es bien dedans, mais tu sors pas avec, quoi. Vous êtes en visite dans le coin ? On s'est dit, on vient à Partenay, on va quand même passer à Pougny-Hérisson. Ah ouais, parce que vous arrivez d'où ? Et aujourd'hui, certains de ses fans viennent même au Nombril du Monde, comme en pèlerinage. On vous a vu à Saint-Michel-en-Lerme, ouais. Le dernier spectacle. Ouais. Et celui d'avant, je ne sais plus c'était où est-ce que c'était. Ouais. Mais on a passé des soirées super, forcément. Ouais. Même si on ne comprend pas tout au patois. Ouais. Oui, mais c'est... Comme je dis souvent, c'est du patois pour l'export. Oui, c'est voilà. Compréhensible par tout le monde. Hein. Yannick Jolin et le Nombril du Monde, un destin mêlé et une vraie fierté pour les 372 habitants de Pougny-Hérisson. Au début, on se demandait ce qu'il venait faire là. Comment quelqu'un comme lui, qui paraissait quand même pas mal, pouvait s'intéresser aux gens de Pougny-Hérisson, quoi. C'est surtout ça. Hein. Il a fait de la campagne un lieu de conte. Parce que bon, c'est vrai qu'il se raconte beaucoup d'histoires en campagne, mais qu'il ait eu l'initiative de le faire et puis de l'installer chez nous, quoi, c'est quand même quelque chose de. Je sais pas, c'est pas ordinaire. Death, she marks the pinion wheel up on beneath the reaper's veil. With your voice, my belly sung. Thank you.
dont on entend parler, qui nous deviennent peu à peu familières, tant ces choses sont répétées, nous croyons les avoir intégrées, mais leur pleine réalité nous demeure finalement étrangère, jusqu'au jour où elles nous apparaissent sans conteste, violemment. Ça avait commencé au supermarché, une irrésistible envie de viande. Sur le parking, il avait observé de près le contenu de son caddie et constaté que celui-ci était entièrement composé de steak haché, 15% de matière grasse. Le surlendemain au cinéma, il avait eu une pulsion incontrôlable et avait soudain mordu l'avant-bras de sa voisine. Fort heureusement, celle-ci n'avait pas porté plainte contre lui après qu'il lui eut expliqué que cette pulsion était liée à son extravagance sexapile, ce qu'il ne put réfuter en lui expliquant à son tour gentiment qu'elle aurait préféré un baiser. L'affaire en était restée là, une idylle était née, et cette femme aux yeux bleus en amande lui expliqua bientôt que son plat préféré était, chose étrange, l'os à moelle. De jour en jour, il faisait le constat que sa pilosité devenait foisonnante, que ses ongles poussaient à une vitesse vertigineuse et devenaient durs et difficiles à sectionner. Il se prit de passion pour la chasse, lui qui avait toujours été pacifiste. Tous les jours, sa compagne sautait de joie devant les trophées rapportés et se délectait d'os en suivant sa série préférée à la télévision. Il était victime d'accès de rage et ses grognements, ses rugissements parfois, étaient très impressionnants pour son entourage. Il constata bientôt que son jardin, pour lequel il avait investi des sommes considérables, dans un système d'irrigation ultra-moderne et qui faisait l'admiration du voisinage, devenait sec et aride, qu'il y poussait à présent des espèces de plantes grasses, comme on en voit dans le désert mexicain, dans les westerns. Il marchait maintenant le plus souvent à quatre pattes, ce qui faisait beaucoup courir sa compagne au sex-appeal extravagant. Mais un matin, deux événements survinrent de manière concomitante et l'homme dut se résoudre à faire un constat qui l'effraya. Pendant qu'il dormait, une immense queue lui avait poussé, longue comme une couleuvre, velue et encombrante. Il ne s'habilla plus à partir de ce jour. Ce même matin, il dévora pour de bon cette fois le bras de sa compagne encore endormie. Il ouvrit les volets de la chambre et constata qu'il vivait maintenant dans une sorte de savane. Cette fois, c'était arrivé. L'homme était devenu un fauve. Ce matin-là, il sut très clairement ce qu'était le réchauffement climatique. Martin had his trouble speaking.
quand je trouve la paix, le silence, le repos, la conscience du tout, le retour à soi, le ralentissement du temps. Qu'est-ce qu'on y trouve? Le vert y est plus vert, le bleu plus bleu, les étoiles sont plus visibles, les arbres plus heureux, les oiseaux plus chanteux. Qu'est-ce qu'on y trouve? L'envie de tout recommencer, la vie plus douce, les enfants aux joues plus rouges, la maison comme on en dessinait à l'école, le jardin qu'on cultivera, le cheminée. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y trouve? Mes amours et les bêtes, les mouches, les guêpes, les fourmis, les araignées, les vipères, les couleuvres, les kilomètres parcourus, les pelouses à tondre, les jardins à entretenir, les cinémas et les bistrots. Salle polyvalente, sous-titrée par une main anonyme, qui sert à tout et à rien. Excellent. À quelques pas de cette petite place, la place centrale de Hérisson, ce village, on aperçoit au loin un camping-car qui indique la possibilité de stationnement, un parking gratuit, même valable pour les voitures. L'emblème du village. Cette épicerie n'est plus en activité, sauf et uniquement si vous venez acheter des croquettes spéciales pour les hérissons. De ma part, bien sûr.